là ça le fait plus. Ouais, donc le truc, voilà, donc encore une fois, si vous voulez voir tout, c'est assez fun, donc je vous conseille vraiment de voir. Et voilà, donc la scène aussi avec Tom, si on décide à un moment de poursuivre Dr. Kirk, enfin là, dans ce walkthrough, je décide de poursuivre Dr. Kirk, si au lieu de poursuivre, je décide d'aller voir d'où vient le signal de détresse, ouais. On a une scène avec Tom, qui est encore vivant en fait, et en fait après il meurt quand même. Mais bon, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, c'est quand même assez fun. Enfin, il crève dans tous les cas, quoi. Ouais, voilà. En fait, tu m'as toujours pas fini de parler de John, en fait. Ah non, si, tu avais fini, c'était avec les... Ouais. J'ai dit toutes les quêtes annexes, là. Hein? J'ai dit toutes les quêtes annexes. Ah non, il y en a une que j'ai pas dit. Enfin, c'est pas une quête, ça dure 10 secondes. C'est juste qu'en volant avec le dirigeable, tu tombes sur un... Tu peux tomber sur un truc, un oiseau à la con. D'ailleurs, ouais. Ça va péter les couilles, parce que... Ça doit être fun. J'ai... Non, mais c'est fun quand t'enregistres pas, ouais. Parce que moi je dis, allez, je vais vous montrer le boss. Ouais. Je prends le dirigeable, je vole pendant une demi-heure. Je dis de la merde et tout ça, je dis putain, il va arriver cet enculé et tout ça. Ah, je crois et... Non, 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 parce que j'ai coupé justement, j'ai refait la vidéo du coup. Et Parce que c'est à toi. Parce que ça prenait toute la vidéo le truc, il arrivait toujours pas. Donc mais il est pas un endroit particulier en fait. Non, 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 non. Maintenant, mais tu veux dire, tu peux pas le voir sur la carte? Non. Enfin, non, je veux dire. Tu sais, quand tu marches, hop, tu vois un combat comme ça. Ah, ouais. Bah, là, c'est pareil, ça, mais en dirigeable en fait. Ok. Quand tu vas dans le dirigeable. En fait, il est spécial. Parce qu'en fait, si on le bat, on a un esper. Ouais. Bamout. Fun. T'as le dragon. Ouais, ouais, bah, je sais. Et Mais en fait, ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il est putain de vie, quoi. Mais il se régénère pas entre les combats. C'est-à-dire que quand il fait beaucoup de dégâts, il se barre, il s'enfuit. Ouais. Ou on peut s'enfuir nous-mêmes. Ah, et fun. Ça va être bien. En fait, il et en fait, et en fait, si on revient. Mais il a les points de vie qu'il a perdu, il les a encore perdus quoi. Enfin, il les a. Enfin, c'est facile à battre quand même comme boss. Bah, il fait de mal. Hein. Enfin, si t'as le malheur de te retrouver contre lui au début de. Voilà. Parce que tu peux tomber sur lui aléatoirement comme ça. Ah ouais, ouais. Mais c'est vraiment de la malchance quoi. Et tu peux t'enfuir comme tu veux. Quoi, heureux parce que bordel. Mais il fait des attaques mais, de. Mais tu peux le battre au début du jeu. Enfin, non, non. Techniquement, tu pourrais. Non. Si tu le tapes comme une bite et hop. Mais non, mais il apparaît pas. Ah, okay. Il apparaît qu'après la deuxième moitié. Après qu'il y ait eu l'événement. Enfin. Ouais, le fameux événement. Enfin, tu verras quoi. Ouais, bah, je connais le fameux événement, t'inquiète. C'est ça qui est énorme dans F6. Ouais. Enfoiré de KFK de merde. C'est sincèrement genre ta vidéo, tu fais. Vous avez vu, lui c'est un sadique déjà. C'est un gros enculé. Vous avez pas encore vu ça, encore plus gros enculé, c'est un putain de sadique. C'est génial parce qu'en fait tu le traites de tous les noms. Ouais, mais pour l'instant il a juste empoisé une rivière, mais attends. Ouais, non. Déjà dans la dernière vidéo que j'ai uploadé. C'est non parce que tu le traites de tous les noms et tu dis, mais en fait c'est même pas ça en fait, c'est encore plus. C'est ouais. Je suis sympa quoi, j'essaie de me retenir, mais. Ouais, parce que sinon bah, tu peux pas le prêter d'exprimer. Non, mais laisse tomber. Et encore, s'il était charismatique, mais en plus il a une gueule, il a une sale gueule en plus. Ouais. Encore, tu vois, je sais pas, il est fun comme perso. Ouais, il est fun. Ah, pour les faut être timbré. De son sadiquisme et de son sadomasochisme. Sadisme, on dit. Hein. Ouais, mais je m'en branle. Attends, faut inventer des mots, c'est Kafka. Ouais. Et ben, c'est compris dans son rire, quoi. C'est. Ah oui. C'est putain de dur à faire. J'arrive pas à le faire. Ouais. Enfin, on peut pas le faire. On peut pas. Non, c'est électronique. Ouais, voilà. Sauf que c'est énorme parce que c'est fait sur la Super NES, quoi. C'est pour ça ils te font un truc 3D, ils te modifient le rire, ils te font des remixes de chansons en version rock de merde. Celle de la grosse beat, puis c'est tout. Mais en version rock. Dancing Mad. Ouais. Les remix, c'est vraiment de la grosse merde. Bah, ça se voit que t'as pas entendu une remix, c'est ce truc que je l'avais pas du tout. Orchestre avec un. Orchestre, c'est bien, mais quand ils te font version rock, ça. Sur des musiques. Bah non, pas sur Dancing Mad. Des musiques. Oh, ouais, non, c'est pas. Ouais, non. C'est la musique d'apôtre un peu là. Et si te les font version rock, ça fait de la merde. Ça fait de la merde. Ouais, ouais, voilà. Ouais, désolé de vous infliger encore la. Je dis apôtre, chorale, enfin c'est le truc. Ça fait genre truc religieux un peu. Ouais, voilà. Oh. Voilà, donc en fait, j'ai sauvegardé au mauvais endroit. Désolé de vous infliger ça encore une fois. Mais bon, on s'en fout. Bah, sauvegarde au bon endroit cette fois. Ouais, parce qu'en fait, je croyais avoir sauvegardé, mais je n'ai pas sauvegardé. Ouais, donc au cas où vous auriez pas compris ce qui se passe, il se passe ça. Ça, c'est une vieille excuse de merde. Il se passe comme avant, quoi. Ouais, c'est exactement. Oui, c'est exactement. Ouais, pour l'instant, on fait exactement la même chose. Pas encore au choix, oui. Dites. Quand est-ce que ça sera. Enfin, pour l'instant, on refait comme choix, avant. C'est la même chose. Pour faire la deuxième fin, quoi. Donc là, c'est la fin, quoi. Et non, non, la fin moyenne. Il y a un problème là, il y avait que deux choix vers la fin. Oui. Bah, la mauvaise et la bonne, il y en a que deux choix. Non, non.
Il y a que deux fins. Une petite nuance. Ah, parce que quand tu crois l'autre choix, t'as encore un autre choix. Ah, ok. Mais pas un choix en fait, c'est pas un choix. Sinon, comment tu. Bah... Alors, je vais l'expliquer tout de suite. Parce que voilà, comme ça, on s'en va s'occuper. Ça va s'occuper. Le truc, c'est que là, quand tu prends Gale, tu vas chercher le Dr. Kirk. Le truc, c'est que quand tu prends l'option de Rick, tu peux le buter. T'assommes, non, non, t'assommes Gale. Ce qui fait qu'en fait, tu peux t'échapper avec seulement Gale et Rick. Mais si tu choisis cette solution là et qu'en plus toi-même tu vas chercher le Dr. Kirk, et ben voilà, c'est la meilleure fin. Ah, ok. Oui, parce qu'avec Gale. Donc soit tu te barres avec tes compagnons, soit tu te barres avec tes compagnons, soit tu vas chercher Kirk et ensuite tu te barres. C'est voilà. Ça. Donc en fait, dans les fins faciles, enfin les fins nulles et moyennes, il y a un personnage qui meurt dans la fin la plus pourrie, c'est pour ça que c'est la fin la plus pourrie. La fin moyenne, personne meurt, Kirk qui disparaît, tout. Ouais. La meilleure fin, il y a tout le monde. Ça me fait trop penser à Castlevania, les trois fins comme ça. Ouais. Tous ils ont trois fins, tous. Enfin, pas les premiers, parce que le premier c'est spécial. Bah si, Simon's Quest il y en a trois. Non mais les vraiment les premiers. Ah, le tout premier. Ça, les tout premiers, parce que c'est même pas des RPG, c'est juste des jeux de plateforme. Bah oui, bah Simon's Quest c'est le 2. Ouais, ouais. Bah il a trois fins. Sur Super NES quoi. Il a une fin si tu prends trop de temps, tiens, tu crèves. Une fin où c'est bof, ouais, mais ça c'est pas Dracula mais t'as quand même une malédiction. Et la meilleure fin où c'est... Sur DS il est énorme. Parce que c'est la continuation de celui sur GBA. Ouais. En fait, toi, GBA était bien. Ouais, il est bien. Ouais. Enfin, il y en a 3 sur GBA. Hein. Ah ouais. Il y a Harmony of Dissonance, il y a Aria of Sorrow et Circle of the Moon. Mais ça vaut pas. Symphony of the Night. Symphony. Non mais Symphony of the Night, c'est le meilleur. L'OST. Non mais je sais que c'est Symphony pas Shadow. Elle est trop bonne. Parce que moi, je suis Shadow of the. Ah oui. Ça... Genre on parle tranquille, t'as tout le monde qui crève à côté. Ouais, c'est énorme. Et pourquoi il est mort lui d'ailleurs? Ah mais non, non il ça c'est obligé. Toit, ouais. Ça c'est obligé de toute façon. Okay. Ouais, en fait t'es trop bien. Donc tu vois en fait tu contrôles les Belmont. Ouais. Sauf que là tu contrôles Soma, donc c'est juste un gamin. Là. Ouais. Qui a les pouvoirs de Dracula en fait. Ouais. Tu sais, Dracula en fait son pouvoir c'est qu'il fait les attaques des monstres. Et là c'est trop bon. Dès que tu butes un monstre, tu peux avoir son âme et faire ses pouvoirs. Tous les monstres du jeu quoi. Même les boss. Et donc t'as aussi Julius Belmont avec toi, un Belmont. Ouais. Y'a Arikado. Arikado en fait c'est Alucard. C'est ouais. Le héros de Sotne. Ouais. Mais réincarné quoi. Enfin, déguisé quoi. Donc en fait, y'a trois fins. Y'a une fin, tu bats le boss de fin. Ouais. Parce qu'il y a deux boss de fin. Tu bats le premier boss de fin si tu veux. Ouais. Normal. Et du coup voilà, tout le monde se barre. Et le château est détruit mais tu sais pas ce qui se passe en fait. Mais attends, en fait il y a trois boss de fin. Mais tu choisis de combattre. Ouais, c'est compliqué, c'est bizarre. Je sais pas comment expliquer. Attends, parce que d'abord là je comprends pas grand chose parce qu'il y a la musique critique. Ah moi aussi. Je vais attendre que la fin critique soit finie et... Hop. Ouais, vas-y. En fait, les boss de fin. En fait, si tu veux, y a un mec, c'est un mec de feu. Ouais. Attends, non. Bon, je vais mieux t'expliquer okay. Que ça. En fait, le but de des boss de fin, si tu veux, ouais. C'est t'attirer dans le château Dracula parce que toi, t'es la réincarnation de Dracula un peu. Ouais. Et te pousser à devenir le. Dracula, ah, voilà quoi. Sauf qu'il y a deux autres gars qui veulent prendre ta place. Donc, tu butais et devenir Dracula à ta place. Ouais. Donc, y a un gars de feu. Il y a un gars qui copie toutes les attaques en fait. Ouais. Et en fait, quand tu bats le gars qui copie toutes les attaques, tu l'achèves pas, mais il crève tout seul. Ouais. Et là, tu vois une âme, parce que tu sais, normalement, tu butes un monstre, ouais. T'as son âme. Ouais. Tu vois une âme noire qui s'échappe, elle rentre dans ton corps en fait. Donc là, tu comprends pas. Et après, le premier boss de fin, c'est le boss de feu. Ouais. T'as l'autre gars qui veut prendre ta place. Ouais. Donc si tu le butes, tu te barres avec Arikado, qui est la réincarnation d'Alucard. Et tu le sais même pas que c'est lui en plus, hein, ouais. Dans cette fin. Et du coup, voilà, le château s'effondre. Et il dit oh, je me sens mal. Tu vois, après, il dit je sais pas ce qui s'est passé, il y a une âme noire qui est rentrée. Et là, fin. Donc, ça, c'est la première fin. Ah, c'est une fin ni mauvaise ni mal en fait. La deuxième fin, c'est en fait, il y a un endroit caché dans le château qui permet d'avoir un boss.
Après tu vas voir le boss de feu. Et tu peux rentrer dans un miroir qu'il y a derrière lui. Ouais. Tu bats le démon qu'il y a derrière le miroir. Donc tu bats pas le démon de feu mais le démon qu'il y a derrière lui, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup là ça continue le jeu en fait. Ensuite tu vas dans une salle et c'est là que c'est le choix entre la deuxième ou la troisième fin. Alors soit tu prends le bracelet que ta copine t'a donné et tu résistes à un sort en fait. Soit tu résistes pas, tu te transformes en Dracula et ça c'est génial. C'est la mauvaise fin et du coup t'as le mode Julius où tu peux contrôler Julius, Alucard et une fille pour te battre toi-même, c'est trop bien.